thank mm -hmm. you Bonjour et bienvenue à ce 13e épisode de Partir en Affaires, le podcast Coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on jase un sujet extraordinairement fascinant comment passer le bon message avec vos photos professionnelles, avec une entrepreneure pleine de lumière et de couleurs, une fille qui a su. Euh, Prendre sa place dans un univers qui parfois est, est overcrowded, c'est-à-dire l'univers de, de la photographie, avec un branding et une offre de service absolument euh, unique et tout à son image. Marie-Ève Larente, alias marie Photo. Salut marie comment ça va? Allô, ça va bien toi? Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation à jaser. Euh, moi, quand je pense photo, je pense à toi, d'autant plus que je suis rappelé constamment par mon réseau que tu as <laughs> euh, comme on parlait, comme je te disais juste avant le show, mon dernier client, il a fait faire son shooting photo avec toi. Je vois ton nom apparaître partout, puis je trouve ça le fun parce que tu as vraiment un beau parcours et tu t'es développé euh, une, une, un message, une mission qui est vraiment, comme je disais en intro, tout à ton image, tout en couleur. Tu fais, toi, des univers euh, visuels. Yes. Euh, J'aimerais ça un peu que tu m'expliques d'où ça vient parce que je le sais que tu fais de la photo depuis longtemps, puis qu'après ça, tu t'es peaufiné, raffiné. Euh, on a eu la même coach d'ailleurs, la même coach d'affaires, euh, Émilie Paquin. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton brièvement, de ton parcours, puis de ce que tu as mis au monde. En fait, um, back in the days, on retourne en 2013, moi j'ai ouvert le, mon studio suite, tu sais, chômage, whatever, là, tu sais, c'est comme, j'ai décidé de me lancer pour vrai en affaires. Puis, ben, quand on dit en affaires en 2013, on parle beaucoup de réseautage d'affaires, tu sais, Facebook, LinkedIn et tout ça, c'est pas aussi présent qu'en ce moment. T'sais. Fait que je m'en vais à réseautage d'affaires, puis qu'est-ce qu'il y a là? Ben, c'est des personnes en affaires. Donc, on a besoin de portraits corporatifs. Puis moi, ça se pouvait pas que des portraits corporels, ça soit juste des photos fond blancs, des bras croisés. C'est comme ça me rentrait pas dans la tête. Fait que, avec Émilie, justement, c'était ma première coach d'affaires, Émilie. Puis euh, on... en coaching et suis comme ça se peut pas que ça soit juste ça. Ça prend de l'essence, ça prend de l'intérieur. Mmh. Ça prend la personnalité de la personne. Fait qu'on construit l'univers visuel. Puis c'est vraiment par intuition qu'on a construit, dans le fond, à me guider à construire ça. Euh, ça a vraiment plus pris forme en 2014. Et moi, je savais pas que c'était du personal brand. J'ai mmh. juste suivi mon intuition, puis de mettre la personne au centre de ses photos, de mettre sa personnalité, de mettre son histoire, de sa couleur, puis tout ça. Fait que Petit Train va loin, ça fait depuis 2013-2014 que les univers visuels existent. Fait que juste, juste avant de continuer, c'est quoi un univers visuel? Si tu avais un, à le décrire très ouais. brièvement. Un univers visuel, c'est qu'en fait, c'est que euh, ta marque personnelle est conçue de plusieurs sphères. Donc, tu sais, mission, vision, valeur, la base, les fondations. Mais après ça, tu as comme ta personnalité, tu as ton client, la transformation de ton client, euh, le point A que ton client vit, le point B que il va atteindre qu'est-ce que toi t'amènes entre les deux il y a les valeurs fait il y a vraiment plusieurs sphères que t'amènes dans l'univers puis on prend des détails de chacun puis on conçoit des photos mm -hmm. et c'est ma partie dans mon cerveau qui comme difficile des fois à comprendre mais c'est vraiment de prendre exemple ta personnalité la transformation que t'amènes à ton client mm -hmm. Puis de créer une image qui raconte cette histoire-là. Mmh, mmh. Alors là, tu mets la table justement pour un sujet euh, qui est extrêmement imp important, puis probablement encore plus que jamais euh, aujourd'hui, parce que tu l'as nommé un peu les, 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 les photos corporelles, ça fait souvent, ça ne traduit pas le bon message. Ouais. Ça traduit un message. On va utiliser tu sais, le mot, le, 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 tout, ce qui revient, tout ce qui vient avec le fameux mot corpo, <laughs> c'est-à-dire un peu trop gris, un peu trop. Ah, il faut que je sois professionnel, donc je ne vais, je vais pas sourire, le, je vais prendre une petite pause sérieuse. C'est le il faut. C'est vraiment c ces deux mots-là. Il faut. Mais ben, En fait, les trois mots. Il faut que. Tu sais, voilà. le il faut que, la boîte du mmh. il faut que, que il ouais. faut que tu rentres dans cette boîte-là pour pouvoir fonctionner et, et prospérer en affaires. Ne s'applique pas à tout le monde. Mmh, mmh. Puis ta boîte, c'est pas la même que les autres à côté. C'est ça l'affaire. Mmh, mmh, mmh. Fait qu'on qu va, on va faire ça en quatre mots. Il ne faut pas nécessairement que ça en cinq mots. <laughs> euh, donc, comment passer le bon message avec ces photos professionnelles? Ben, c'est quoi, quoi la base? Par où on, on commence? Ben, moi, je te dis l'élément numéro un, c'est à savoir ta personnalité. C'est comme l'élément le plus important parce que c'est ça que tu vas mettre de l'avant. Puis c'est surtout ça qui va faire en sorte que ton client va adhérer à toi ou va pas adhérer à toi. Puis c'est correct qu'un client n'adhère pas à toi parce que finalement, c'est peut-être pas ton client. Mais ceux que tu veux qu'ils adhèrent, ils vont adhérer à ton énergie. Si je fais des photos de moi hyper calme, puis que j'arrive en consultation avec toi, puis que je saute partout, puis j'ai fou d'énergie, puis j'ai fou d'idées qui arrivent de même, l'énergie n'est pas. Et pas de la bonne. Mmh. perçu de la bonne façon. Fait que ça se peut que notre relation change. Fait que ta personnalité, c'est vraiment mmh. l'élément numéro un. Il faut vraiment le voir dans tes photos. Mmh. Puis le deuxième, il faut connecter à son client. Il ne faut pas l'oublier dans ses photos. Même si c'est, on va dire, c'est les photos, tes photos à toi, Mathieu, qu'on fait, il faut quand même réfléchir à c'est qui ton client. Mmh. Mmh. C'est quoi qui s'attend de toi? Fait que c'est vraiment de faire en sorte que. On joigne les deux ensemble. Fait que, tu sais, dans mes... Euh, J'ai des petits graphiques, là. J'aurais dû te les envoyer. J'ai des petits graphiques, dans le fond, tu comme tu les bulles. Là. On les voit-tu sur ton site web? Sont-tu là? Non. Non. Ah. Mais je pourrais te les envoyer, si tu veux. Ben, ben, si oui, si tu peux, si tu veux, on va pouvoir les, les intégrer. Tu peux partager ton écran, soit dit en passant, à partir de, de StreamYard. Euh, je vais le voir apparaître, puis moi, je vais pouvoir l'ajouter par la suite. Fait que, puis, mais juste pendant que tu cherches, euh, je vais euh, utiliser l'exemple d'un mandat sur lequel on a travaillé tous les deux, qui est Pontbriand-Lamarche. Pontbriand-Lamarche, c'est un cabinet CPA et euh, Guillaume Lamarche en particulier, il y a une personnalité. Euh, qui n'est pas du tout celle qu'on associe traditionnellement à un comptable ou qu'on s'en fait avec les, les clichés et, et, et les idées reçues. C'est un gars avec une belle énergie, c'est un gars dynamique, c'est un gars passionné, c'est un gars qui aime aider en les, les entrepreneurs. Comment? Le bureau en tant que tel, même son équipe, parce qu'il a attiré à lui mmh. des, des partenaires d'affaires qui sont dynamiques aussi. Exact. Et euh, tout ça, non seulement il y a son site web, il y a ses photos, il y a, sa, il y a ses vidéos sur son site web qui reflètent tout ça, qui sont à l'image exacte de sa personnalité. Fait que quand tu arrives sur son site, tu as, t as, t as la, la personnalité du cabinet euh, de, de, dans sa façon la plus franche. Et, et ça va te donner le goût, si tu embarques dans cette énergie-là, d'en savoir plus, puis de, puis de les rencontrer. Alors que souvent, euh, c'est ça s'il avait été dans la route traditionnelle des photos corporelles, ben, il ne se distinguerait pas nécessairement de, de, de sa compétition. Exact. Parce que, tu sais, on se dit tout le temps, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, on se dit tout le temps que les comptables, ça a des bas bruns. Puis justement, un des éléments qu'on a fait des photos, c'est subtil là, comme détail, mais ils ont tous des bas orange et bleu. <laughs> c'était non cool. négociable qu'il y ait des bas blancs qui rentraient mmh. ou des bas bruns. Tu c'était fait puis leur brand c'est bleu et orange tu sais fait que c'est mm -hmm, dans les petits détails comme ça qui fait que c'est plagier là j'ai mes sphères tu veux que je te montre euh, euh, partage-les okay. puis moi je vais je vais les je vais, euh, vais m'assurer qu'on les voit à l'écran effectivement euh, attends, OK il faut que tu autorises. Ouais, c'est ça. Fait que là je l'ajoute voilà, voilà c'est fait. Donc, Donc. ça c'est ton univers à toi. C'est toute ta sphère à toi, ta, tes passions, ton histoire, tes compétences. Décris-nous un peu ce qu'on voit, parce qu'il y a aussi la version audio qui, okay. euh, qui va exister. Fait que prends le temps de nous décrire un peu ce le, graphisme, le graphique tu, bon, que tu vois. Fait que tu as la sphère au centre, que c'est ton univers à toi. Dans le fond, c'est ta personnalité. Fait que là, autour, tu as la sphère des valeurs, la mission, la vision, les aptitudes, la personnalité, tes passions, ton histoire, ton historique puis tes compétences et tes aptitudes. Fait que ça ça fait en sorte que c'est ta sphère à toi. Puis après ça, tu as la sphère de ton client. Mmh. Fait que ton client il est au centre, après ça, exemple, tu as les sentiments qu'il vit, soit que ce soit avant ou après, les problématiques qu'il vit, la transformation que tu apportes, le message à passer. Les câbles, là, les, le marketing, là, caractéristiques, avantages, bénéfices, mm -hmm. la liste d'épiceries que j'appelle, de toutes les caractéristiques de ton produit. Et après ça, tu as ton expérience client. Mm -hmm. Le merveilleux dans tout ça, c'est quand tu viens les mettre ensemble puis les conjuguer un à l'autre, ça fait en sorte que c'est un peu comme une table de ping-pong, tu passes à un puis à l'autre, mais ça fait en sorte que tu crées des histoires que la personne va souvenir. Mm -hmm. Fait que quand tu viens faire ton univers visuel, puis que tu prends ces sphères-là, puis tu viens écrire un beau texte qui est associé à l'image, oublie ça, là. Ça va performer, c'est sûr. <laughs> tu sais, j'ai l'air de la vendeuse de balayeuse, mais c'est ça pareil. Tu sais. mais, mais, mais moi, je suis déjà convaincu, parce que ce qui me frappe, évidemment, à voir tes visuels, la première impression, c'est que, ben, définitivement, on a eu la même coach en affaires, ou en tout cas, on a vraiment les mêmes racines, parce que... Je fais le même exact travail avec mes clients. Si on ne tient pas compte de la réalité de leurs clients à eux, comment est-ce qu'on veut euh, créer du contenu qui va leur parler, qui va leur donner le goût d'embarquer avec nous, de faire affaire avec nous? C'est crucial. Et c'est un, un aspect qui est souvent négligé. C'est ça, c'est que souvent, c'est quand on est en affaires. On, exemple, on se part en affaires, OK? Il faut que tu fasses tes photos. Encore là, le terme. Hein. Là, tu dis OK, c'est bon. Fait que là, tu vas aller sur Pinterest. Puis là, tu vas faire comme OK, Corporate Portraits ou tu sais, tu vas aller chercher les mots-clés. Puis là, on te montre tout quest ce que les autres font. Fait que là, tu vas te fier sur ça pour aller faire tes photos. Souvent, Souvent c'est soit une photo à l'ordinateur ou une photo tout simplement fond uni ou assez de base. Mais. Tu ne connectes pas tant à ton client quand tu fais ça. Il mm. faut que tu te demandes qu'est-ce que ton client, tu sais, qu'est-ce que tu fais vivre à ton client? Ton énergie, elle est où là-dedans? Mm -hmm. Fait que, tu sais, si tu es très énergique, exemple, je pense à Marie-Pierre Turgeon, qu'elle a un centre de gymnastique, ça arrive ça de, de Québec. Elle, là, c'est un, un feu d'artifice tout le temps, genre. Je ne peux pas la photographier assise. <laughs> ça ne se fait pas. Elle, c'est toujours comme... Mmh. C'est ça qu'elle amène à son client. Quelle Vas-y, vas-y, vas, -y, vas, -y, vas, -y, vas -y, Non, non, non vas-y. Ok. Quels sont les pièges dans lesquels... Tu en as parlé un peu. Quels sont les pièges dans lesquels les entrepreneurs tombent souvent et qui... qui peuvent éviter par eux-mêmes? C'est de suivre ce que... Là, je suis tout le temps le petit mouton noir qui dit ça. C'est de suivre ce que la société te dit de suivre. Mmh. De, tu es un avocat, tu as besoin d'une photo de telle, telle, telle manière. Euh, tu es un, un, un courtier immobilier, tu dois te, faire telle, telle, telle chose. Mais tu es bien plus qu'un courtier immobilier. Mm -hmm. mm -hmm. Tu amènes des éléments tellement importants dans la vie de tes clients. Montre-le, tu sais. Oui. Fait que c'est de suivre ce que la société dit de suivre. Puis, tu sais, si t'es avocate, tu peux pas avoir des vêtements. Tu sais, mm -hmm. là, on suit ce que la société dit, là. des vêtements mm -hmm. colorés. Tu peux pas vraiment être en jeans si t'es tout le temps complet. c'est comme. Mm -hmm. On choisit de faire affaire avec l'humain. Derrière le fournisseur de services, avant tout, exactement. Euh, et donc, c'est hyper important de communiquer sa personnalité, communiquer ses, ses couleurs, ses valeurs, mais aussi, puis tu l'as tellement bien dit, communiquer l'expérience mmh. qu'on fait vivre à nos clients. Communiquer le voici dans quoi bon, je vais vous embarquer, voici ce que je vais vous faire vivre, puis voici les résultats que vous allez obtenir avec moi. Oui, puis tu vas tirer en hein, montrant vraiment qui es, là. tu es, un disclaimer. Là. Il y en a qui vont te, onf, te, se désabonner à toi, mais il y en a plus où, tu sais, il y en a qui vont suivre ta tendance, qui vont faire en sorte qu'ils vont être des mordus de toi, tu sais. C'est eux que tu veux. Mm -hmm. C'est pas la quantité, tu sais, sur les groupes d'entrepreneurs de, de, je voyais passer cette semaine. Comment que je peux atteindre 10 000 personnes sur Instagram? On s'en fout tellement de 10 000, là. Mm -hmm. Convertis-tu ton 10 000? Mm -hmm. C est, c est, le monde interagisse-tu avec toi? C'est ça qui est important. Puis sur ton 10 000, il y en a combien qui sont des clients potentiels? S'il y en a juste ça. 500, euh, là, tu viens de polluer ton Instagram de 9 000 personnes qui ne seront pas euh, intéressées puis qui vont faire en sorte que. Parce que Instagram rejoint un certain. Comme Facebook, on rejoint, puis, puis, puis n'importe quel réseau social, on rejoint juste un certain pourcentage. Fait que si. As un gros pourcentage de gens qui ne sont pas des clients potentiels, ben c'est plate, mais ton message il est dilué puis il va parler à personne. Euh, D'ailleurs, tu parles de réseaux sociaux. J'aimerais ça que tu nous donnes des trucs et conseils, peut-être des trucs à éviter et aussi des, des bonnes pratiques sur quand on crée du contenu en photo sur mmh. nos réseaux sociaux. Euh, qu'est-ce que tu vois les gens faire qu et qu'est-ce que, qu que tu conseillerais aux entrepreneurs de, de faire? Ben. C'est sûr que d'emblée, d'avoir des photos qui nous appartiennent, ça serait l'élément important, je te dirais. Mmh. Euh, je ne veux pas prêcher par ma paroisse, mais c'est que d'avoir votre visage, vos bras, vos tattoos, vos vêtements dans les images, c'est que ça vient créer comme un, un genre de standard. Fait que ça fait en sorte qu'on vous sais. Je peux juste prendre une photo de mes bras avec une caméra dans mes mains. Mmh, mmh. Tu vas le savoir, c'est moi parce que j'ai des tatouages sur les bras. Mmh. Fait que ça fait en sorte que ça vient créer une uniformité. Fait D'avoir ses propres photos, puis aussi, tu ne te retrouves pas dans le trouble parce que euh, ça, je ne sais pas si tu peux mettre un, un, un lien dans le podcast, oui, je mais j'ai fait un, un épisode de podcast sur justement les droits d'auteur, à savoir si tu as le droit d'utiliser une photo. Tu peux pas prendre une photo de Pinterest pour la mettre sur ton contenu quand c'est ta page professionnelle. C'est mmh, un usage mmh. commercial. Fait d'avoir ses propres photos, ça évite toutes ces petites bébêtes-là qui peuvent arriver, d'avoir une belle facture d'un photographe qui vient des États-Unis ou peu importe, parce que oui, ça se fait. Euh, tu sais, t'évites tu tout ce tracas-là. On parle de ce... oui, cet épisode -là. Cet épisode-là. Parce que tes photos t'appartiennent. Donc, c'est l'épisode du 23 février 2021. C'est l'épisode 15, en fait, de ton, de ton podcast. Yes. C'est vraiment d'avoir ses propres photos, va vous éviter beaucoup de tracas et beaucoup d'heures de recherche inutiles. Le point qui est important aussi de savoir, c'est de planifier ses photos. Ça, moi, je. Je mon petit clou avec mon marteau, là, puis je n'arrête pas de taper <laughs> dessus. Là, de planifier son contenu ou de savoir au moins les grandes lignes. Tu sais, c'est pour ça les sphères de l'univers, à savoir c'est quoi ton client vit. Bien, on peut créer les images qui vont venir avec. Fait que quand tu viens créer ton contenu sur les réseaux sociaux, tu n'as pas 10 000 heures à passer sur un splash ou les, les, les banques d'images gratuites. Tu l'as ton image. Mm -hmm. Fait que tu as juste à aller dans ton fichier photo. Puis d'aller trouver la bonne image qui va fitter avec. Donc, d'avoir déjà un peu une longueur d'avance sur c'est quoi les thématiques que vous allez faire. Que ce soit avec moi ou un autre photographe, la planification a lieu d'être. Fait mm -hmm. d'avoir un peu les grandes lignes de contenu pour réfléchir un peu qu'est-ce que vous allez faire comme photo pour qu'elle soit utile. Parce que une image que tu, tu sais, une photographie que tu payes pour l'utiliser une fois, c'est une image de perdu. Mais si tu es capable de l'associer à différents types de contenus, puis de la réutiliser de plusieurs façons, ton image est rentable. Mm -hmm. oh, Vas-y. Pour rester un peu dans le même ordre d'idées, euh, j'aimerais ça qu'on continue de parler de contenu, mais juste avant de continuer, je vais saluer les gens qui, qui nous ont salués sur, sur LinkedIn. Euh, Denis Foucault, salut Denis, Nadine, Adad. Euh, euh, Denis qui dit, euh, tu nous parleras, Marie-Ève, de comment on peut créer une histoire, storytelling avec des photos. On va, on va y arriver, je vais, euh, ouais, on va y arriver euh, tout de suite après. Euh, Audrey qui dit, euh, bonjour, super sujet, Audrey Dumurier. Euh, et à Mokan Marish, allô ah oui. Mathieu et Mariève et toute l'humanité ici, Sébastien Pellan et Marie-France No. Euh, salut à, à vous tous. Si vous avez des questions pour Mariève, évidemment, n'hésitez pas, je vais, euh, on, 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 va y, on, on va définitivement lui poser. Euh, juste avant d'aller avec la, 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 la question de Denis, euh, j'aimerais ça que tu nous donnes des bonnes pratiques en termes de. Contenu. C'est-à-dire que, parce que, on the spot, ah, ça serait intéressant de, je ne sais pas, tu as une rencontre client ou tu veux faire un bien de signe, tu as ton téléphone évidemment avec toi. Oui. Euh, Quelles sont les, 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 les deux, trois euh, lignes directrices ou conseils pour réussir ces photos avec un téléphone? Et s'assurer oui. aussi que ce qu'on va mettre en ligne reste pertinent puis qu'on ne dilue pas son, son message en mettant des photos de vinyle, mettons, comme je le fais trop oui. souvent. <laughs> en fait, tu sais, c'est que. De un d'emblée, c'est que si vous êtes avec un client, ça serait de lui demander s'il vous autorise à publier la photo. Je suis vraiment comme On a tout le droit de sacré? Ah oui, ben oui. Je suis vraiment peiné avec les droits, tu sais. je, je suis vraiment la photographe chiante qui les droits, les droits, ça revient tout le mm -hmm. temps. Là. Euh, parce que la personne que tu es avec, elle a un droit à l'image, puis ça se peut qu'elle ne veuille pas que tu publies une photo d'elle. Donc, si elle ne veut pas que tu publies une photo d'elle, si tu, tu peux quand même peut-être lui demander à savoir je peux-tu prendre tes mains? Fait que, en train d'écrire dans ton document ou quoi que ce soit, tu prends une photo de la table ou si elle veut, ben, tu prends un selfie avec. Il faut quand même penser à ton format. Tu le publies où, cette photo-là? Tu la publies-tu en story Instagram ou tu la publies en, en, en publication LinkedIn? Parce que le format n'est pas le même. Mm -hmm. c'est de savoir comment tu vas cadrer ton image ou sinon ben, tu es prévoyant et tu fais les deux. Mm -hmm. Tu fais un vertical puis un horizontal. Parce que c'est ça, sur LinkedIn, c'est horizontal. Sur Instagram, c'est vertical ou carré. Donc, mm -hmm. les formats, ils sont importants à savoir. Fait que si ton client, on est sur LinkedIn, vas-y en format horizontal. Fait que c'est soit faire un selfie, faire des photos de, du bureau, de l'ambiance et tout ça. Sinon, c'est tout simplement. Tu peux faire des stories, là, de faire comment? Hey, je m'en vais, vais voir un client, tata tata tu sais. Mm -hmm. Mais c'est peut-être de. D'accompagner, tu sais, comme, je rejoins un peu ce que Denis, il demandait, là, tu sais, c'est de raconter un peu une histoire autour de cette image-là, tu sais. Je suis allée rencontrer, mettons, Mathieu, on a jasé de ci et de ça. Mm -hmm. Tu sais, mettons, là, ça serait de prendre une photo de mon micro avec toi en arrière-plan. effectivement mm -hmm. mm -hmm. moi, je suis plus sur Instagram, donc ça serait de le publier sur Instagram. Ouais, d'ailleurs, tu fais des belles euh, stories sur, euh, sur Instagram. Euh, bon, on a une question de Denis Foucault, à la, que je vais afficher à l'écran. Donc, euh, il aimerait ça qu'on qu parle de comment créer une histoire, un euh, storytelling avec des photos. En fait, c'est de savoir sur quoi je vais viser. C'est quoi que je veux passer comme message. Donc, si, exemple, euh, moi, souvent, la problématique que mes clientes vivent, c'est qu'ils euh, ben, ne savent pas vraiment comment mettre justement en contexte leur travail. Fait que comment on peut mettre en contexte le travail? Ben, est-ce que tu es en personne, en one-on-one, -on -one, ou tu es en virtuel avec tes clients? Si tu es en one-on-one, -on -one, ben là, c'est, admettons, c'est qu'on demande à quelqu'un qui vient jouer le modèle, ou tout simplement que c'est une, une de tes clientes pour de vrai. T'sais. Fait c'est de le mettre en face à face, puis là, c'est, je te dis carrément, ben jaser. Fait que là, vous allez discuter ensemble, puis il va y avoir une synergie entre les deux. Fait Après ça, c'est que le, 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 tu viens publier cette image-là. Mettons que tu es en one-on-one -on -one avec cette personne-là. ben c'est Des fois, je pense du coquillage, mais c'est d'avoir des éléments que tu utilises dans la vraie vie de tous les jours, dans tes consultations. Tu es une personne qui écrit beaucoup de notes. Ça te prend un cahier de notes. Ça te prend des crayons. Ça te prend des éléments qui, te, qui se rapportent à ton train-train quotidien. Parce que quand la personne, exemple, moi, je vois ton, ton fil d'actualité, je vois cette image-là, je fais comme, hé, hey, c'est donc bien vrai, j'ai besoin de ces services-là. Mais je ne suis pas étonnée quand je rentre dans ton bureau. Je le sais déjà qu'il va y avoir ça dans ton bureau. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme si tu m'invites à prendre un thé là, chez vous. Je le sais qu'il y a les deux divans et qu'on va, va prendre le thé dans tes deux divans. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme, on va être en face à face, on va, on va jaser comme ça. Fait que c'est de créer un peu une ambiance qui reflète ce que tu vis. Avec ton client. Puis, dans le fond, c'est que si, exemple, ta cliente, donc la cliente de ma cliente, ben, elle vit des moments de stress, d'angoisse, elle vit, elle vit quelque chose de difficile, ben, là, c'est la position de la personne qui va raconter l'histoire. Fait que, c'est du stress, l'angoisse, la fermeture, c'est tous les éléments comme ça. T'sais, si tu, tu vis d'angoisse ou des trucs comme ça, souvent la boîte de clinique va être quand même assez proche. Ou il va y avoir des éléments qui vont apporter à ça. Mm -hmm. Si tu es si avec ton client, tu vis du confort, il va souvent avoir la tasse de thé. C'est des éléments. Qu'est-ce qu qui te réchauffe? Qu'est-ce qui te fait du bien? un doudou, un euh, divan? C'est qu -ce... quoi les éléments qui font partie? De ton, euh, de ton échange avec ton client, qu'est-ce que tu viens transformer? Fait que, mettons, ça serait ça une problématique, c'est de, de mettre la rencontre one-on-one -on -one avec tous ces petits éléments-là. C'est définitif. C'est pas juste intéressant, c'est passionnant et euh, ça, ça nous ramène à notre point de départ qui est qu'est-ce que tu veux évoquer? Quel message oui. tu veux passer? Et donc, il faut y réfléchir même quand on crée du contenu. De tous les jours. Quel est le message que je passe avec ce contenu-là? Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Pour... Ou... Mm -hmm, mm -hmm. Tu viens juste voir ou tu viens me conseiller ou tu viens m'apprendre quelque mm -hmm. chose? L'intention est différente. Mm -hmm, mm -hmm. Très intéressant. On a un commentaire de Nadine que je vais afficher à l'écran. Il est super long. Fait que je vais l'afficher avant de le lire. Toutes mes images, mes médias sociaux, je l'écris moi-même comme mes avant-après. Sauf que mon thème de publication des jeudis, qui est Saviez-vous que? Ou, question du jeudi, j'utilise le style pop art, même s'il n'y a pas de lien entre l'art pop et ma question. Je trouve que les couleurs attirent. Qu'en penses-tu? Bien, Nadine, possiblement, si tu utilises ce type d'image de, 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 ou de visuel-là, c'est que ça t'attire à toi. Donc, on revient dans la, la sphère des passions. Fait que ça fait partie de toi. T'sais. Moi aussi, le pop art, j'adore ça. T'sais. Fait que ça se peut que tu vois dans mes images. Fait que si ça fait partie de ta passion, c'est correct, tu respectes tes sphères. Mais si, dans le fond, tu sais, comme moi, tu verras jamais des photos de marche dans le bois ou dans les arbres. J'en fais pas, j'aime pas ça. <laughs> C'est pas Mais, toi. C'est pas moi. Mais ça se peut que tu vois peut-être arriver des photos à paddleboard ou reliées à l'eau. Mm. Là, ça, ça vient me toucher. Parce que j'aime l'eau, j'aime ça, le contact de l'eau et tout ça, je mais je t'ai un poisson. On ne s'étonne pas. Fait que si ça a un lien avec tes passions, avec ce que tu veux, avec ce que tu désires, il n'y a pas de problème. Ça fait mm -hmm. partie. Puis surtout si tu l'utilises à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, ça fait partie de ton univers. Ok, n'a pas de problème. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, encore une fois, c'est l'authenticité, mais ça passe beaucoup, évidemment, par bien se connaître puis amorcer une bonne réflexion sur soi. Puis, puis de l'assumer, d'être. Euh, tu sais, dans tout, tu m'as demandé la permission de sacrer, mais, 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 mais c'est ça, c'est d'assumer notre personnalité. On a envie d'être vrai avec toutes nos couleurs. Puis si ça déplaît, ça déplaît, c'est pas grave. Si ça va attirer les gens qui nous ressemblent puis qui. Qui veulent cette authenticité là et qui veulent une relation basée sur quelque chose de concret et non pas juste de voici, j'ai mon masque de vendeur, d'entrepreneur ou de marketeur. Et je t'attire, puis après ça, la relation est comme oh, je ne suis pas si. Ça devient boiteux. Mmh. Mmh. Ça devient vraiment boiteux. Fait c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des bonnes bases, puis une bonne, tu sais, d'y réfléchir, d'assumer. Mmh. Je reviens là-dessus encore, là. ça se peut que ça ne plaît pas à tout le monde, puis c'est correct, ça leur appartient. Toi, si tu le vis pleinement, là, you're good. Mm -hmm. You're good. C'est ta vie. Tu décides de faire ce que tu veux. Mm -hmm. j'aimerais ça... Une de, mes, une de mes missions, c'est de faire en sorte que... Ben, une de mes missions, ma mission, en fait, c'est vraiment de faire en sorte que les gens s'assument pleinement. Puis qu'ils soient fiers de montrer qui ils sont pour vrai. Puis justement, d'arrêter de, de mettre des masques parce mmh. que la société dit que. Parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on a peur de. On a peur des fois de déplaire à certaines personnes, mais encore une fois, moi, plus, plus, notre, plus, plus notre message est aligné avec notre personnalité, plus on attire les bons clients, puis mmh. il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment de clients qui vont être. Attiré par ce qu'on dégage par et notre, par notre alignement authentique, on n'a pas besoin des autres qu'on qu attirerait autrement en mettant un masque. je j'ai juste, juste la phrase dans une galaxie près de chez vous, tu sais, des six milliards d'un tatars <laughs> Tout à fait. Fait que tu sais, est, on est tellement sur la planète que tu sais, hey, j'ai des clientes, ben, tu sais, on attend juste que les douanes réouvrent, mais tu sais, j'ai une cliente en Suisse. « Hey, quand est-ce que tu ça, toi, dans la vie? Tu es au mm. Québec, tu crées des clients ailleurs dans le monde. <laughs> ouais. C'est juste parce que tu es authentique avec toi-même et que tu connectes avec les bonnes personnes, tu sais. C'est mm. tout, tu sais. Il faut vraiment être le plus aligné avec nous-mêmes parce que mm. dès qu'on se met un masque, dès qu'on s'éloigne de notre vérité, c'est là que ça devient chiant. C'est là que ça ne marche plus. Puis là, il y a plein de modifications. Puis, mm -hmm. puis pour rester dans. dans, dans, dans... Tu sais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en, en, en faisant le travail que tu nous invites à faire, on va rester dans le plaisir. On va rester ouais. dans le bonheur. On ne se fera pas chier. <laughs> puis, puis qui a envie de se faire chier? Donc, <laughs> c'est Nono, oui. hein, mais il mais y a beaucoup de gens qui en démarrage ne le savent pas. Fait que pendant des années, ils vont. Ah, je, je travaille avec des gens que j'aime plus ou moins, puis c'est excessivement dommage. Mais c'est ça l'affaire, c'est que. Tu sais, là, là, je, je veux parler des affaires de dimension, puis tout ça, là, mais tu sais, on était dans une dimension avant très euh, masculine, très marketing, mm -hmm. très. Euh, mm -hmm. Tu sais, c'est ça, 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 ça. Maintenant, très on cartésien. Est très cartésien. Maintenant, on est plus dans l'intuition, dans le sentiment, dans l'amour, dans les connexions véridiques. Mmh, mmh. Fait que, tu sais, le marketing de, tu sais, quand je te dis 2013, quand j'ai commencé, c'est pas, pas en tout la même affaire. et hey, je parlerais de ce que je parle en ce moment en 2013, oublie ça, là. Tu sais, <laughs> ça marcherait pas. T'sais, tu, tu, cool. serais, tu serais une entrepreneur new age euh, avec des idées extrêmement novatrices. Et même avec l'univers visuel, quand je t'ai arrivé en 2014, t'sais, même toi, quand on était en, en BNI ensemble, parce que, tu sais, moi Mathieu, ça fait quand même, c'est quoi, deux. Trois ans qu'on se connaît? Je dirais 2016 ou 2010, 2017 probablement, si je ne m'abuse. Je m'en souviens plus, mais ça fait quand même ça. un bon bout, tu mm -hmm. Puis Je euh, m'en aller où avec ça, moi, là, là? Euh, tu parlais de, ben de que in la réception des gens oui, par rapport aux univers, univers visuels, même en 2014-2015. Tu sais, même 2017, c'était difficile mm -hmm. parce que de un, ben, le personal brand n'était pas encore très connu. Là, il commence à être vraiment connu. Mm -hmm. fait que, hey, ça me facilite la tâche, là, tu serais. Ouais, là. Oh my God. Mm -hmm. Fait que, moi, j'ai depuis 2013, je suis dans l'éducation, dans l'éducation de mes clients, mais tu mm -hmm. j'ai pas lâché. Mm -hmm. C'est. Tu sais, ça, quand tu as un projet qui te tient à cœur, tu tu continues. Pis... Tu as tout à fait raison. Puis la... faire de l'éducation, puis de la sensibilisation. Euh... Surtout sur des sujets comme ça qui sont. Tu sais, moi, je parle beaucoup d'empathie. Émilie euh, Paquin parle de, de marketing euh, du cœur. Euh, et et c'est quelque chose qu'il faut. Euh, c ça, c'est quelque chose qui peut avoir l'air un peu, comme je disais, un peu new age ou un peu spécial. Mais, en même, mais, mais non, c'est purement de connecter avec son authenticité parce que tu ne rends jamais autant service à tes clients que quand tu es réellement aligné avec ta mission, tes valeurs. On en parle régulièrement sur ce show-là parce que. Nécessairement, j'invite des gens pour qui l'empathie est au cœur de leur travail, pour qui le, 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 le cœur et leur mission sont réellement euh, investis, euh, qui, ont, qui ont le goût de faire une différence dans la vie de leurs clients. C'est sûr que j'invite des gens comme ça parce que c'est les gens vers qui je vais nécessairement. Euh, et tu en es l'incarnation toute, toute lumineuse. Euh, on va aller faire un petit tour du côté de, de LinkedIn. Nadine, qui te remercie pour, pour ta réponse, qui dit j'adore la réponse. Et France Thibault qui dit, j'aime donc bien votre approche. Bravo. <laughs> Et, et, euh, il y a Bobby qui, qui mentionne euh, que oui, j'en parle depuis quelques, quelques épisodes. Les sous-titres en anglais en ce moment sont automatiques de la part de LinkedIn. Vous pouvez les désactiver vous-même. Je ne peux pas le faire, moi, de mon côté. Je suis en contact avec des, des techniciens de LinkedIn. On, est, on fait du back and forth, puis ils vont essayer de, de régler ça pour qu'ils n'apparaissent pas automatiquement durant mon, mon streaming. Mais pour le moment, malheureusement, je n'y peux rien. C'est de quoi Mais... il, y a, il y a pire que ça dans la vie. Fait que. C'est C'est très drôle. Moi, je les vois en ce moment parce que je garde un œil dessus. Puis c'est drôle que LinkedIn essaie de comprendre ce qu'on dit en anglais. C'est ça. Euh, oui, avant, avant on s'en ligne tranquillement vers la fin. J'aimerais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé qui serait important de, de mentionner sur ce sujet-là? Bien, tu sais, c'est que ton message, c'est important de réfléchir avant de faire tes photos. C'est pas à la journée. Que tu fais tes photos, que c'est là que tu y penses. Mm -hmm. euh, parce que tu as des éléments, tu as des accessoires. J'en parlais, le cahier, les crayons et tout ça. Mm -hmm. C'est important d'avoir les bons accessoires, le bon lieu. T'sais, quand je te dis, moi, en forêt, ça ne marche pas. J'en ai fait des photos dans un jardin botanique, je ne les ai jamais utilisées. Mais mm -hmm. ceux que j'ai fait en avant d'un mur de béton, là, ça a marché. Là, ça colle à mm -hmm. qu'on On a des éléments. Euh, puis, tu sais, de, de, on a des éléments qui sont associés à notre brand. Fait que, tu sais, exemple, ton logo, bien, on peut prendre des éléments qui, qui, qui tirent de ton logo. Tu sais, moi, j'ai des lignes, j'ai des poids. ben souvent, tu vas le retrouver dans mes photos, dans mes designs, mm -hmm. dans mes éléments. Fait que, c'est important, tu sais, de, de, de penser à son brand pour l'inclure dans ses images. Mm -hmm. Puis, tes couleurs. Tes couleurs sont importantes, tes, tes vêtements, tu vas les choisir comme il faut et tout. Puis j'ajouterais que non seulement c'est une étape à ne pas négliger, que c'est une étape à ne pas oublier, mais justement qu'il ne faut pas la botcher, il ne faut pas la négliger. Il euh, faut prendre le temps de bien ah ouais. y, y réfléchir, pas juste prendre quelques notes sur un papier, OK, qu'est-ce qui me ressemble, OK, c'est ça, mais de faire valider, d'en de, de, parler peut-être avec des clients, avec des gens autour de nous. Qu'est-ce que tu en penses? Que ce soit réellement, parce que c'est des photos qu'on va garder. Tu sais, c'est tellement dommage de faire faire des photos, des vidéos, un site web, euh, n'importe quoi qui est, qui, est, qui est lié au branding. Puis de, 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 les util, de les utiliser à moitié, de les utiliser avec un espèce de euh, ou de ne pas les utiliser, c'est ce qui est encore pire. Puis de faire comme Ah, bien, je les ferai refaire dans six mois ou dans un an ou dans quelques années quand j'aurai plus de budget. C'est tellement dommage. C'est un investissement de temps, d'argent, aussi ouais. bien qu'il soit vraiment bien réfléchi pour, pour qu'il soit vraiment aussi, bien fait. C'est que si là, tu sais, là, on va plus dans le personnel et tout ça, si vous avez vécu des événements quand même assez importants qui ont changé votre vibe votre énergie, puis votre, votre taux vibratoire corps et mal là, ben, ça peut changer votre énergie qu'on va percevoir dans les images. Mmh. Fait que, si vous faites vos photos en pleine crise, en pleine séparation, je vous dirais peut-être d'attendre que ce soit guéri, mmh. que ce soit comme juste un petit peu replacé, parce que j'ai pas de preuve à l'appui, j'ai pas d'études pour te dire que oui, à 80%, si ton énergie n'est mmh. pas bonne. Non, j'en ai pas d'études qui te disent ça. Mais pour l'avoir ressenti, parce que moi, je suis une patte, aussi, me semble que tu es une patte aussi. Tu ressens ce que les autres ressentent, puis tout mmh. ça. Fait que, tu sais, quand une, une cliente arrive au studio, je le sais dans quel état elle est. Mmh. Mmh. Souvent, tu sais, mais tu sais, des fois, c'est pas percevable par courriel ou par téléphone. Mais c'est que si vous n'êtes pas dans la bonne énergie, ça va transparaître mmh. dans les images. Puis là, c'est là que vous avez un goût amer, un goût de métal dans la bouche quand vous utilisez vos photos, tu sais. Mmh. Mmh. si vous êtes dans la bonne énergie, tu sais, faites des méditations. Euh, dans mes guides que j'envoie à mes clientes, c'est genre la veille, tu prends un bain, tu t'en vas dans ton bain avec un thé, une tisane, tu te couches tôt ou tu tapes une série Netflix. Mmh. Mais tu penses à toi. J'abonde à 100% dans ton sens. J'ai eu un exemple. À un moment donné, j'ai fait, fait des tournages en rafale où je m'installais dans un loft toute une journée puis je recevais des, des clients un après l'autre puis on faisait de leurs vidéos ensemble. Et ouais. j'en ai eu un qui ne filait pas cette journée-là. Il est arrivé quelque chose la veille euh, et, euh, et la vidéo, il ne l'a jamais utilisée parce qu'il il sentait après l'énergie que j'avais puis... Puis depuis ce temps-là, je suis, je suis à l'affût de ça. C'est vrai que je préfère qu'on remette, puis qu'on. Qu qu parce que tu as raison, tu, 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 tu tiens un point extrêmement important. On ne peut pas complètement masquer euh, quelque chose qui nous arrive, qui nous affecte, puis dire Ah, ok, c'est correct, je vais me je mettre mon. Non, c'est important d'être dans une belle énergie quand on va faire les photos, les vidéos, quitte à le remettre, quitte à, à ce que. On sera, moi, je ne serais pas fâché si on le remet, là. Mm -hmm. Parce que j'ai eu 60% présent mm -hmm. et heureux heureuse, puis oui. que tu sois content de tes photos, puis que tu les utilises. Mm -hmm. Parce que des fois, c'est subtil, hein. mais après ça, c'est la faute, on va dire, de la photographe, parce que tes photos sont pas belles, mais dans le fond, si tu t'étais écouté profondément, tu aurais remis ta séance, ou tu sais, je vous dis pas de remettre tout le temps vos séances, là, mais euh, aurais peut-être remis, tu sais, j'ai un client, à un justement, comme toi, que la journée, mais c'était une photo, tu sais, beaucoup de photos, tu sais une grosse équipe que fallait tout faire dans la même journée, puis il est, il est venu me voir un moment donné, c'est euh, en fait puis il me dit, tu sais, Marie, quand je suis venue au studio, là, je venais de me séparer avec ma blonde la veille. Mm. Je filais pas et j'ai saillie mes photos. Mm. Il faut qu'on s'envoie, il faut que j'y refasse. Parce que mm. lui, à chaque fois qu'il voit cette photo-là, il se remémore la séparation. Ben oui. Parce que, mm. tu sais, c'est ça. Fait il faut la refaire. Fait que, ça, fait que ça va dans tous les sens, finalement. Le, le message qu'on passe à travers nos photos, si on ne file pas, c'est ce message-là, d'une certaine manière, ou du moins une essence de ce message-là qu'on va passer. Je vais laisser la question de la fin à Nadine Haddad qui dit On dit souvent que les photos de soi ou selfie dénotent un narcissisme. À quel point est-ce vrai, Marie-Ève? <laughs> <Ça, du message. rire> c'est une grande question, hein? <laughs> ça dépend du message. Est-ce que... Tu c'est quoi ton intention derrière cette image-là? Est-ce que c'est juste pour show off ce que tu vis ou c'est pour apprendre quelque chose? Mm. Et, et là, la nuance. Puis tu sais, c'est correct de publier des photos de soi. T'sais, je, mon site est tapissé de photos de moi, puis c'est pas parce que je suis narcissique, c'est parce que je veux justement démontrer à mes clientes que c'est correct de s'afficher. Quand tu le fais de bon cœur, puis quand tu le fais pour aider les autres. J'ai déjà eu le commentaire comme quoi sur mon site Internet, c'est un des premiers sites que la fille voyait qui avait autant d'inclusion de corps. Mm. J'ai des petites, j'ai des grosses, j'ai des, 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 des tout petites en mm. grandeur, j'ai des grandes, grandes, grandes en grandeur. Il y a toutes sortes, moi, parce que tout le monde est beau de la manière qu'ils sont beaux. Mm. Fait que pour revenir au, au, au selfies, c'est quoi ton intention derrière ça? C'est ça qui va faire le message, c'est ça qui va faire en sorte que tu cliques ou tu ne cliques pas. Mm. Fait que si c'est juste puis ton sourire là qui soit vrai, on sent un... pas un <laughs> Y a-t-il quoi? Puis il faut que ça <laughs> ben, ben, j'ajouterais que pas, pour les introvertis, ça peut être plus difficile des fois de surtout si on se prend en photo nous-mêmes ou que tu sais, il y a comme Et... un côté un peu gêné, c'est peut-être un défi. Tu toi une la musique, là, euh, Eyes of the Tiger, whatever, la musique de <laughs> mettre dedans, genre. Tu sais, ouais. la musique que tu mets, tu passes le ballet, genre, il n'y a plus rien qui existe dans le monde, là. Fait que cette toune-là, mets-toi là, mets -toi là genre. Mm. Puis, pense à des beaux moments. Pense mm. à des. des tu Pense à l'intention que tu veux amener à ton client. Mm, fait que, tu sais, tu veux -tu, juste comme, hey, je t'allais me, me faire masser, ça m'a vraiment fait du bien? je mets une photo de moi, c'est genre, je veux que tu ailles toi aussi de faire, tu sais, te faire masser, te, te, te faire, dans le fond, te faire du bien carrément, puis te, te, te penser à toi, tu sais. Sur la... là, bienveillance, tu sais. Bienveillance, bienveillance, oui. Fait que, tu sais, si tu fais juste faire comme une photo de toi, ben voilà, tu sais. Hum. Après, ben, ouais, je... Sur la question du narcissisme, c'est un drôle de hasard. J'ai arrêté de suivre quelqu'un sur un, un entrepreneur sur Instagram aujourd'hui parce que j'étais comme il y a encore une photo de toi. Puis c'est tout le temps les, les poses un peu euh, staged. <laughs> il y a très peu, il y a très peu de, de, de selfies euh, spontanées ou en tout cas ça semble être très peu ça. Là j'étais comme même, j'ai pas juste envie de voir des photos de toi. Euh, puis le le message qui, qui passait pour moi en tout cas de la manière que moi je l'ai perçu, c'était ça. Ça, ça. ça faisait pour moi très narcissisme. Est-ce que c'est ça? Est-ce que lui, c'est un narcissique? Je ne le sais pas. Mais c'est le message que je recevais de cette personne-là. Donc, moi, je pense que ça prend un équilibre. Encore une fois, quel est le message qu'on passe? Faut, si ça fait, je ne sais pas, trois, quatre selfies que tu, tu prends de toi, puis si tu as autre chose à dire en selfie, c'est correct. Mais si tu penses, réfléchis au message que ça passe, réfléchis, puis suis ton intuition, suis ton... Ton, ton instinct, je pense que l'intuition est toujours un, un bon guide. Si on n'est pas narcissique, ça me surprendrait bien gros qu'on ait une présence narcissique sur le web en suivant son intuition. Ce serait bien surprenant. Ça. Si tu si sur, sur les bonnes fondations, que mm. toi même pas avec ça, là. Mm. Mais si entends tu entends mon chat péter sa coche dans la porte? <laughs> non, je n'entends pas. <laughs> du coup, je les entends, ça le va. En tout <laughs> cas, et... T'sais, si tu suis les bonnes fondations, puis justement que c'est fait vraiment avec le cœur, ça m'étonnerait que ça tombe dans le narcissique, mmh. mais ça se peut aussi que quelqu'un perçoive ça, parce mmh. que peut-être que tu viens faire un trigger sur lui, tu sais, mmh. parce mmh. que ça y appartient. Ça y appartient, ben oui. Tu mmh. sais, là, tu sais, j'en ai une amie qui fait plein de stories, puis. Ah parle, puis elle parle, puis elle parle. Puis moi, je trouve ça drôle, là, Parce qu'elle est même, tu sais. Qu'est-ce que je te dise? Mais quelqu'un qui ça fait... Ça l'a fait trigger, là. Mm. Parce que je, ce que je veux dire par trigger, c'est que ça vient déclencher un... Euh, ça vient déclencher un mal-être. Mm. Mais ça, c'est son histoire à elle. Mm -hmm, mm -hmm. Ouais. Mais, puis, puis tu sais, je. Pour boucler ça honnêtement, euh, pour moi, c'est que c si la personne est narcissique, si l'entrepreneur est narcissique, ben, qui attire à lui des gens qui vont réagir à ce genre d'énergie-là, puis qui leur rend. Ça ne ça fait pas nécessairement un mauvais entrepreneur. Le hein, narcissisme. ça fait, tu sais, je suis dans un, un certain type d'énergie, puis tu vas attirer à toi de, des gens qui ont un certain type d'énergie, puis c'est correct. En notant encore une fois, pour tout résumer ça, qu'on soit aligné avec qui on est, go for it. Euh, donc, c'est drôle, Marie-Ève, c'est la première fois en 13 épisodes que je n'ai pas commencé en présentant le profil LinkedIn de la personne. Mais justement, on va s'enligner un peu vers la fin en présentant un peu les divers endroits où on peut te retrouver sur le web. Donc, si on veut te suivre, Marie-Ève, comment ça se passe? Bien, tu trouves Marie avec deux R, Marie, M-A-R-I-E-V-E, photo. Puis, tu vas me trouver peu importe où ce que tu vas aller. Donc... LinkedIn, Instagram, Facebook. Euh, J'ai commencé un TikTok, mais euh, c'est ça, je traîne de la pâte. <laughs> euh, non, c'est ça. Donc, euh, je, je suis un petit peu active sur LinkedIn. Je, je, me, je me parle jour après jour. Que je, je veux vraiment interagir. Le, pas le « il faut que », je veux vraiment venir mm. sur, un peu plus sur LinkedIn pour connecter plus avec les entrepreneurs. Mais c'est euh, Évidemment, moi, je te le conseille parce qu'on a vraiment une belle communauté d'entrepreneurs et de professionnels sur LinkedIn. Et tu as déjà un, un, très beau, un très beau profil qui n'a pas énormément besoin de pimpage. Euh, J'aime beaucoup la première ligne qu'on trouve dans ton paragraphe info. Révélez-vous à travers votre image. C'est exactement de, de, de ça dont on a parlé aujourd'hui. Puis ton site web, euh, ma marie, avec deux R encore une fois, tiret Eve-photo.com. Euh, donc, non seulement, euh, non seulement on peut aller voir sur ton, sur ton site web un peu les photos, euh, une présentation de toi, on va voir un peu justement le, les images que, que tu fais. Tu as aussi des témoignages, hein, je te l'ai dit avant, un peu avant de, de commencer le show, mais bravo d'utiliser des témoignages. Il y a très peu de gens, très peu d'entreprises encore qui, qui utilisent des témoignages sur leur site web. Un, témo un témoignage vidéo, ça serait encore mieux, mais des beaux témoignages euh, sentis, c'est très cool. Mais c'est ça, donc, euh, tu sais, puis, tu sais, on en jasait, justement, j'ai David Cassius dedans, puis j'ai deux filles, mm -hmm. tu sais, j'ai un, deux filles. Puis, mm -hmm. j'assume je, euh, je, 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 pleinement, mon site est aux femmes. Il est vraiment, parce que c'est ça que j'attire, c'est ça que j'aime travailler. J'aime travailler avec les femmes, mais, euh, tu sais, les hommes aussi sont la bienvenue dans, dans, dans mes services pour la photographie et tout ça. Mm -hmm. euh, mais il faut être conscient que ça se peut que je travaille avec le cœur, tu sais. C est, c est on, je, moi, je ne suis pas là pour show et off puis de, de faire des photos show et off. C'est vraiment mm. pour faire des photos qui vont connecter avec tes clients à toi. Peu importe le genre que, si vous êtes un entrepreneur de cœur, vous allez connecter avec Marie-Ève. Elle est là, la, la clé, elle est là, la, la base. Euh, je pense que les, les femmes y ont accès. Ce serait tellement un, un épisode où on pourrait parler de ça, mais les, les femmes y ont accès peut-être plus Facilement, intuitivement, ouais. euh, que pour toutes sortes de raisons, puis qui encore là serait un, gra un grand sujet de, de discussion que les hommes parfois. Euh, tu as un podcast également, on en a parlé un peu euh, plus tôt avec ton, ton épisode sur les droits d'auteur, mais donc il euh, y a un podcast qu'on peut retrouver entre autres euh, sur, euh, via ton site web. Petit train va loin, j'essaie je, <laughs> d'être de, 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 plus assidu, mais je pense que je vais. Je vais changer un peu la formule à savoir euh, moi j'aime ça faire des entrevues un peu comme toi là. Mm -hmm. J'aime beaucoup les entrevues puis euh, ça me tu sais je suis perfectionniste. Mm -hmm. Perfectionniste à l'os tu sais puis de faire mes épisodes solo fait en sorte que je tombe dans ce perfectionnisme là ce que je fais pas en entrevue. Mm -hmm. Fait que je me laisse plus aller puis euh... Fait que là, en ce moment, tu un mix des, des deux, de, de ce que je comprends. Tu un mix d'entrevue et un mix de, de solo. mais C'est sûr que moi, j'aime beaucoup le format entrevue. Tu l'auras compris. J'aime beaucoup le, le, le côté conversationnel euh, des podcasts. Donc, c'est pour ça que j'ai été moi-même vers, vers ce genre de, de format-là. Mais tu as, as raison. Puis en plus, euh, ben, j'ai peut-être un côté pas paresseux, mais un côté… Tu sais, c'est le fun de laisser ton invité livrer de la valeur, puis juste embarquer dans cette, dans cette découverte-là, puis dans la passion de tes invités, c'est vraiment tripant. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. C'est plus efficace, je trouve, des, des épisodes entrevues. Fait que... Mais non, mais je trip J'ai découvert ça cet été. Je l'ai lancé à Miaou pour la fête des chats. Ah oui, <laughs> très cool. <laughs> bon, ben écoute, ben voilà, donc Marie-Ève, on, on peut te suivre sur LinkedIn sur, sur, ton, sur ton site web et les autres réseaux sociaux. Pour ma part, vous pouvez aller sur Mathieuchevalier.com ou encore, évidemment, vous pouvez connecter avec moi sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez avoir des, des vidéos qui justement vont être en alignement. Avec votre personnalité, avec votre mission, qui vont donner le goût à vos clients idéaux de faire affaire avec vous. Et également, je fais des témoignages euh, clients euh, parce que je trouve que les un beau mix des deux, des une vidéo qui vous présente vous, c'est drôle parce que justement j'utilise euh, la première vidéo de mon portfolio, c'est la vidéo de de à la marche. Mais euh, c'est sont un bon mix de portraits vidéo et de témoig témoignages clients en vidéo, ça peut être extrêmement euh, euh, fort comme outil marketing. Encore une fois, marie merci de ta, de ta générosité. Ça a été vraiment un, un super beau, un super belle entrevue avec plein de belles pépites d'or que, que, que tu nous as amenées. Merci infiniment. Puis on est full. Mmh. Tiens, moi j'ai mis le jaune aujourd'hui parce que j'avais besoin de jaune. <laughs> T'as mis ta belle cravate bleue à poids pour faire. <laughs> <Oui>. J'aurais pu fitter avec toi si j'avais mis ma cravate jaune. La prochaine fois, il va falloir se... Ce... Mais non, mais ça je, je, je suis ton brand, <laughs> puis t'es mon brand. Puis by the way, oh, le 13 oui. me suis partout. Le euh, 13 euh, euh, ouais. me suis ah, partout. Quand je t'ai arrivé, j'ai vu l'épisode 13, j'étais comme Ah, vois-tu, je suis pas étonnée. Ah, oui, puis c'est un hasard, ça c'est drôle. C'est intéressant. Oh, écoute, Marie-Ève, au plaisir de, de refaire un autre épisode dans l'avenir avec toi, je te souhaite de passer une excellente journée. Merci à tout le monde pour votre écoute. À la voyure. Merci.